Merveux et bonne année à tous les fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision et surtout aux inconditionnels de l'émission Politicana, votre magazine qui vous donne une autre lecture de l'actualité en République démocratique du Congo. Le dernier numéro de votre émission Politicana sera consacré au bilan de l'année qui se termine, donc au bilan de l'année 2013. Pour dresser ces bilans sur ces plateaux, nous avons invité Maître Claude Bakula. Il est vice-président de l'opposition scientifique. Merveux, bonne année, Maître Claude Bakula. Merci, pareillement. Comment vous allez? Oui, ça va. Et l'opposition scientifique? Oui, comme elle s'organise, elle travaille toujours. Effectivement. Selon les normes scientifiques. Effectivement. Et d'ailleurs, nous sommes entrés. Certainement, 2014, ce sera l'année de la méritocratie. Ouais. Nous voyons que tout le monde, tout Congolais conscient de la situation, trouve qu'il faut que les choses changent et qu'il faut que les valeurs priment sur les antivaleurs. Ça a été toujours notre discours et les chefs de l'État aussi l'avaient bien compris. Et nous osons croire que 2014 boucle les cycles que nous avons commencé depuis le 30 novembre 1973. Le cycle qui a fait que nous soyons abandonnés à nous-mêmes puisqu'il fallait faire notre propre politique. Et nous avons connu ce que nous avons connu. Et tous les signes montrent qu'actuellement, toute la communauté internationale, tout Congolais aussi, est conscient qu'il faut que les choses changent. Donc 2013, nous croyons, c'est une année qui vient de boucler un cycle que nous-mêmes Congolais, nous avons introduit. Et ça nous a amené là où ça nous a amené et qu'il fallait se réconcilier. Donc pour bien faire les choses, il faut entrer maintenant dans l'année de la méritocratie ou dans le cycle de la méritocratie. Merci beaucoup Maître Claude Bakula. Maître Emery Patrice Landou, merveilleux, bonne année. Meilleur fait. Vous êtes cadre de l'Union des Forces du Changement, UFC, le parti politique de l'opposition. Comment se porte ce parti politique UFC? L'UFC se porte bien, ainsi que ses cadres. Ouais. Vous en êtes témoin d'ailleurs tout au long de l'année. Vous avez senti la présence de notre parti, de ses cadres dans les différentes rencontres éminemment politique. Et là, je cite les conclaves de l'opposition politique. Je crois que vous y êtes en tant qu'organe de la presse. Nous étions en concertation. Je crois que nous étions de ceux-là qui avaient souhaité depuis les dialogues entre Congolais. Bien entendu, dans le contexte qui est intervenu en 2011 après les élections. Et aujourd'hui, nous continuons à soutenir ce qui est soutenable. Merci beaucoup, Maître Emery Patrice Landou. L'année 2013 a été marquée par de nombreux événements en République démocratique du Congo. Il y a, entre autres, la tenue des concertations nationales, on en parlait tout à l'heure. Il y a la tenue du conclave de l'opposition avant donc la tenue justement des concertations. Il y a la fin des pourparlers de Kampala, sanctionné par la signature des déclarations à Nairobi entre les différentes parties. Il y a aussi, en 2013, on a connu la mise en place du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante, bureau dirigé par l'abbé Apollinaire Malumanu. Il y a aussi, comme vous le savez, 2013, c'est aussi cette session budgétaire de septembre sans budget de l'État. À la place, c'est plutôt les crédits provisoires qui ont été sollicités, obtenus par le gouvernement. 2013, c'est enfin la mort de Nelson Mandela et de Thabo. Nelson Mandela, comme vous le savez, l'ancien président sud-africain, l'ancien président noir sud-africain, premier président noir de l'Afrique du Sud, le héros de la lutte contre l'apartheid. Et Thabo, comme vous le savez aussi, c'est un monument de la chanson congolaise, africaine et pourquoi pas mondiale. Voilà, Maître Claude Bakula, revenons sur les concertations. C'était quand même un moment important de l'histoire de ce pays. Ces assises avaient été
réclamée à corps et à cri par les acteurs politiques, les membres de la société civile. Alors, ces concertations se sont tenues à Kinshasa en un temps, disons, un peu record. Alors, ces concertations ont produit des résolutions. Et il y a même un comité de suivi qui a commencé récemment à se réunir, qui est en train de, qui a déjà adopté, je crois, le règlement intérieur. Alors, un regard sur ces concertations, vous pensez que c'était quand même un moment important pour l'histoire de ce pays? Très, très important. Un moment très, très important. Mais ces concertations ne sont que la conséquence de ce que nous avons traversé. Nous tous, nous savons, depuis les années 1900, si je ne me trompe pas, 90, nous étions entrés dans une période de turbulence. Et nous avons tenté plusieurs fois de nous rencontrer et de trouver des solutions. J'ai dit plusieurs fois. CNS, Sand City. Et finalement, c'est seulement pendant les concertations de 2013 que tout le monde, qui d'ailleurs n'imaginait pas, a vu quand même les signes, disons des signes, qui montrent que les Congolais ont acquis une certaine maturité. Et ces signes présagent, je pense, et je le crois, un futur meilleur, pourvu que le chef de l'État, comme il s'était engagé, de prendre ça vraiment en considération et de faire en sorte que les résolutions sorties de ces concertations nationales soient réellement respectées. Puisque durant les concertations nationales, à travers les 5 thématiques, on a balayé tous les problèmes qui se posent à la République démocratique du Congo. Et nous avons connu, si je ne m'abuse pas, une affaire de 729 résolutions. Si nous regardons de près, avant même ces concertations, il y avait une certaine ébullition dans la classe politique, disons au sein de la classe politique congolaise. Il y avait un discours tenu par l'UDPS et ses alliés. Un autre discours tenu par la majorité et encore un autre discours tenu par l'opposition qui s'était réunie en conclave après que le chef de l'État ait pris son ordonnance tant contestée. Pour l'UDPS, il fallait obligatoirement respecter les élections de 2011, qui, selon ces courants, l'icône de l'opposition, les respectueux Étienne Tshisekedi du Mulumba, qui avait gagné des élections, il fallait les reconnaître comme président de la République. Pour la majorité présidentielle, disons PPRD et ses alliés, il fallait à tout prix voir le problème de l'Est. Et pour l'opposition réunie en conclave, il fallait voir la crise dans le contexte non seulement de la légitimité, la crise de la légitimité, mais il fallait respecter la résolution 2098 et l'accord cadre. Cependant, le chef de l'État, dans sa vision, lui pensait qu'il fallait débattre tous les problèmes sans tabou. C'est ce qu'il avait dit.
Nous sommes allés dans les concertations nationales pour débattre tous les problèmes sans tabou. En d'autres termes, c'était pour voir l'intérêt du Congo, puisque tout le monde avait démontré ses limites. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les partis politiques, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont en opposition, dans l'opposition, même ceux qui nous faisaient la guerre, qui cherchaient la balkanisation du Congo. Tout le monde était arrivé à un point où il ne savait plus avancer. Donc la crise avait vraiment atteint son socle. Donc il fallait à tout prix trouver des solutions, puisque la situation du Congo était devenue quand même scandaleuse. C'est ainsi que la communauté internationale, l'Afrique d'abord par la CIREGEL, le 24 février à Addis Abeba, va prendre certaines résolutions que nous avons appelées accord cadre. Et le 28 mars 2013, nous allons avoir du côté des Nations Unies la résolution 2098. Sur le plan interne, les concertations nationales est allée aussi dans le sens de chercher des solutions. Et nous avons eu ce que nous attendons, ce que nous disons, 729 résolutions pour résoudre la crise congolaise. Nous voyons, il y a une sorte d'accord sur le violent qui, en réalité, je dirais, n'est pas un hasard, comme je venais de souligner, présage la fin d'un cycle que tout le monde n'en veut plus. L'Afrique, la communauté internationale, le Congolais aspire à un vrai changement. Ils ont donné tout ce qui est nécessaire pour que ce changement soit aujourd'hui effectif. Maintenant, il va de la classe gouvernante. Si je parle de la classe gouvernante, nous ne savons pas si nous allons continuer avec ou bien on va reconduire un grand nombre de gouvernants. Mais la classe gouvernante qui sera censée mettre en application les résolutions de concertation nationale de bien faire son travail. Ça, c'est ce que nous pensons. Nous croyons que les concertations nationales s'inscrivent dans la lignée de la recherche des solutions pour sortir définitivement le Congo de ce cycle, je dirais, macabre que nous-mêmes Congolais, il faut toujours, je le répète, nous-mêmes Congolais, qui l'avons bien voulu à partir du 30 novembre 1973. Merci beaucoup, Maître Claude Bakula. Maître Emery Patrice Landou, quelle est votre lecture de ces concertations? Aujourd'hui, on parle de la mise, enfin, le comité de suivi s'est déjà mis en place, travaille, on regarde sur ce qui a été fait lors de ces assises-là. Est-ce que c'était important? Et où est-ce qu'on en est maintenant, après tout ce qui a été fait? Voilà. Merci, messieurs les journalistes. Je crois que mon estimé confrère a été assez long pour vous dire le bien fondé de ces concertations nationales. Mais je voudrais indiquer une chose. C'est qu'en fait, les concertations nationales ne sont pas une fin en soi. On aura d'autres concertations nationales qu'on pourra dénommer plus tard, dialogue inter-congolais, dialogue inter-ceci, et j'en passe.
puisqu'il y en a eu d'autres. Ouais, par le passé. Par le passé. Mais ce qui est important, c'est que nous devons comprendre, c'est que, et c'est ce que je salue, c'est le courage et la capacité que les Congolais ont aujourd'hui de pouvoir se dépasser, de pouvoir laisser de côté les divergences idéologiques pour regarder tous dans la même direction en ce qui concerne le Congo et son peuple. Et je dois rappeler que lorsque les idées étaient en train de germer, d'aucuns ne pouvaient y croire. Certains ont même dit qu'il y a eu des concertations nationales souveraines dans ce pays. On a connu des sans-nicités et qu'il n'y aura plus rien de nouveau. C'est vrai, lorsqu'on regarde la théorie, lorsqu'on regarde les éléments du débat, lorsqu'on regarde la problématique, l'on peut vite conclure qu'il n'y a rien de nouveau. Sur la terre. Sur la terre. Mais cependant, l'on ne peut pas se voiler la face, comme l'a si bien dit Maître Bakula, pour dire que le malaise a persisté. Elle persiste d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a un malaise, chaque fois qu'il y a une situation, peu importe, disons, les causes, les gens doivent apprendre à s'asseoir, à se parler, à dégager des solutions. C'est ça d'ailleurs qui se passe ailleurs. Lorsque nous voyons les débats en France, nous voyons les débats aux États-Unis, nous voyons les débats même au niveau des grands ensembles, au niveau de l'Union européenne. C'est toujours les débats qui permettent de construire, de rendre de plus en plus grands les États. Mais ces États gardent pourtant leur différence idéologique, leur vision sociale, et j'en passe. Donc je salue par rapport à ces concertations, je voudrais d'abord saluer la classe politique congolaise. À cela, il faut ajouter la société civile qui y a compris et qui a finalement compris que le Congo ne peut pas décoller, ne peut pas aller de l'avant si l'on ne tient pas compte du dialogue. Vous savez, l'avantage du dialogue, c'est quoi? C'est que finalement, il n'y a ni gagnant ni perdant. Et je suis content que finalement, même les modes de décision qui a été adopté, décidé au cours de ces concertations, aient été les consensus. Et nous nous sommes rendus tous compte, moi par exemple, qui avait pris part à ces assises-là, nous nous sommes rendus compte tous que les idées de l'opposition étaient nécessaires autant que celles de la majorité, autant que celles de la société civile. Mais maintenant, les résolutions sont prises. Ouais. Elles sont près de 729. Mais il y en a qui se recoupent parce que il y a une sorte d'interaction, une sorte de connexité finalement. Certaines résolutions qui ont été prises dans la thématique économie, finance, vous les retrouvez dans la thématique gouvernance qui était pratiquement au centre des autres. Et je crois qu'il faut ramener les gens à lire les rapports généraux. Parce que dans ces rapports généraux, finalement, vous avez les résumés, la synthèse de toutes ces recommandations. Aujourd'hui, il y a les comités de suivi qui est mise en place. Mais j'ose croire déjà que cette commission est à l'œuvre. J'apprends que ce comité est à sa troisième réunion. J'apprends, pendant que nous sommes sur ce plateau, que le projet de règlement d'ordre intérieur, me semble-t-il, est déjà voté. Ça signifie donc que elle est à l'œuvre et nous pensons que de plus en plus,
et les gens vont s'investir chacun dans son domaine pour que nous ayons des résultats attendus par les peuples. Il est vrai aussi, et ça il faut le dire, que toutes ces résolutions ne seront pas, disons, n'obtiendront pas des réponses au même moment. Il y a des résolutions à court terme, à long terme et à moyen terme. Mais ce qui est important, c'est qu'on focalise l'attention. Le gouvernement qui sera mis en place bientôt doit pouvoir focaliser l'attention sur certaines recommandations prioritaires. Je cite la santé, je cite l'éducation, je cite la justice aujourd'hui. Aujourd'hui, les pays souffrent. Souffrent. Pourquoi ? Parce que la justice manque. Les gens se permettent de faire n'importe quoi. Les gens se permettent de dire n'importe quoi. Même lorsque nous sommes sur ce plateau, par moment, nous les acteurs politiques, évidemment, je parle dans le cadre de l'ensemble. Les gens se permettent de se narguer, de se dire n'importe quoi, parce qu'ils pensent que la justice n'existe pas. Donc il y a des recommandations prioritaires qu'il faut à tout prix mettre en application dans l'immédiat. Merci. Alors, ouais. Maître Bakula a semblé dire, a semblé pratiquement tout remettre, enfin, reconnaître cette responsabilité au seul gouvernant. Je l'ai suivi. Mais moi, je crois que, et cette fois-là, il faut que ça soit l'affaire de tout le monde. Parce que quand on parle des gouvernants, demain, ça sera peut-être cette nouvelle majorité dont on parle, et ça et là. Ça signifie qu'il y aura d'autres qui vont former ou configurer la nouvelle opposition. Mais je vous assure, messieurs les journalistes, que dans ces recommandations, on a aussi besoin de l'apport de l'opposition. Dans la manière de critiquer, dans la manière de créer, dans la manière de faire asseoir les comportements, l'éthique et finalement l'éducation des masses. Donc ce n'est pas seulement l'affaire des gouvernants, je crois que c'est aussi l'affaire de l'opposition, mais aussi l'affaire de la société civile lorsqu'on sait que dans son rôle légendaire, la société civile accompagne justement cette masse-là qui attend du gouvernement des actes et des actions prioritaires, des actions qui puissent, disons, amener la population au bonheur. Merci beaucoup, Maître Emery Patrice Landou. Maître Bakula, tant en concertation ici là qui président de la République à s'exprimer qui est à l'Obaki Asala qui discours devant le Congrès, Assemblée nationale, Sénat réuni, à l'Obi, gouvernement Sekekoya, tout ça. Alors, Batouadro, c'est là que le gouvernement on est pour justement et appliquer la résolution. On a, mais Batou et Bélé, Solina Bangon, Anzela, toute ma population, ma téléspectateur, la émission dans l'Obi, mais on dirait que Makamango, ils ont dit qu'il y a le Kouta, parce que Tisco, tout le monde a et le Romoko. Nascence et au Mokonzambo, à l'Obakité, pour peut-être soit côté au gouvernement Asika, avec ou sans l'actuel Premier ministre, ainsi de suite, mais au moins à l'Obaki, gouvernement Asika, Ezoyate, est-ce que Maître Bino, à côté à l'opposition scientifique, bon, analyser qui a mon dénu. Bon, pour dire vrai, je pense que Bissot a constaté tout simplement que chef de l'État, Azozwa tango naye pona kobimisa gouvernement Yasika. Konome mi premier ministre Yasika pe ko composé équipe Yasika. Ezali na pouvoir na bisoté dozali pe na kati ya intelligence nayete potoe banini ezali ko salama. Mais nazali ko se souvenir mbala mususu na plateau nayo na laki na émission na conseiller Kambila
bango bato bali pembeni ya mokonzi ya mboka alobaki likambo moko important pour na gouvernement alobi ça peut prendre une semaine, deux semaines, même deux mois. Mais gouvernement wana ekoya eko salama ndenge mokonzi mboka alakaki. Bango bayali monoko ya chef de l'état. Bango nde bazali na kati ya cuisine wana. Tango alobaki ayebi oyo nini azali koloba. Pona biso tozali penza trop dérangé te. Pourquoi tu as trop dérangé? Parce que le gouvernement a ezali lelo na place. Azali ko exécuter budget o yaki déjà voté na 2012 et le budget entre en vigueur le 1er janvier ti na le 31 décembre. Donc pour na biso comportement nyo surtout oyo gouvernement a lelo akoki ko afficher pe a justifier ezali pour na nini ça ne se justifie pas. Azali kaka na kati exercice ya oyo déjà yé asi alobaki ke ngai na ndimi na réalisé. Et en dehors de ça, basi ba accordé ba crédit provisoire pour na janvier afin que gouvernement e connaître problème té. Justement parce que tout ceci moula oyo budget effectivement selon donc nous allons parler de tout ça ce qui te rosala na moi tango donc l'état ndenge to sololaka awambaleleki na conseil Kambila to baka clairement gouvernement ko ki ko se justifier te baboto lié pouvoir mon côté a ko exercer ba fonction na yé en toute responsabilité. Donc, problème il y a gouvernement, il y a cohésion nationale. C'est vrai, Isaac Oumela, nous l'avons déploré, Potolobaki, Awawa na kati émission, que les lois administration na biso ezali presque quasiment inexistante. Souvent, c'est les ministres qui donnent une certaine impulsion na niveau administration. Or, ce qui ministre a commis amorphe. Trois hommes déjà à Kokende et qu'on a un impact négatif na étamboleli et administration. Tala lelo, tango na zako ya na émission na yo, na poste, na tango yo gouvernement lobaki,